Salut à tous et à toutes, c'est Kefke78 et aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment faire un background YouTube. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un petit pack de textures que j'ai créé, donc background et autres. Donc en fait c'est un pack pour les backgrounds mais il peut aussi servir pour les sites, tout ça, donc je vais vous montrer un petit peu. Du coup ça se montrera sur, ça sera représenté par rapport à un fichier zip. Après il y aura genre un dossier comme ça, vous le mettrez sur votre bureau. Bon bref. Donc voilà, donc c'est un petit pack que j'ai créé, donc je pense, à mon humble avis, hein, sans me jeter des fleurs, que c'est l'un des packs les plus complets. Donc simplement, je vais vous montrer vite fait, donc Light and Flare. Je pense qu'il y a quand même le plus gros choix que j'ai jamais vu sur un pack de Flare. Donc j'ai mis vachement de temps à le faire, mais je suis assez heureux de maintenant pouvoir le partager avec vous. Donc il y a des balles, tout ça. Je vais vous montrer aussi un petit truc qui est assez inédit, donc dans guerre et autres. Donc j'ai mis des armes, des kills, tout ça, donc voilà, donc là c'est pas super belle. Dans bonus match, voilà, donc il y a plein de trucs comme ça, donc c'est plutôt sympa. Il y a aussi des maps de MW3 que j'avais mis, bon je sais pas trop quoi, pourquoi je les avais mis, bon c'est pas grave. Des emblèmes, tout ça, enfin voilà. J'ai mis aussi également, enfin trop, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai mis. Donc dans icônes sociales, donc vous avez des petites icônes comme ça que vous pouvez mettre sur votre chaîne, ça fait plus sérieux. Donc par contre, je vous conseille plus d'aller dans icônes 3D et HD, donc ils font plus sérieux, ils sont plus jolis. Donc voilà. Sinon il y a des logos également et des icônes autres que j'ai trouvé. Donc voilà. Après, donc, vous aurez certainement besoin de Cinema 4D, enfin, c'est pas certainement, vous aurez besoin de Cinema 4D pour ouvrir certains trucs, du genre, je sais pas, Material Pack, je sais pas trop ce que j'avais mis là-dedans. Ah oui, c'est vrai, j'avais créé des matériaux, donc, pour faire vos packs, tout ça, enfin, trop, ça va pas l'ouvrir, parce que ça va être long, bon, trop tard. Donc, je vais vous montrer comme ça, vite fait. Et après je vais vous montrer comment tout simplement créer votre background. Ok, hop. Donc, voilà, donc là vous voyez j'ai créé plusieurs textures, donc assez complexes. Comme ça vous pourrez les mettre sur votre texte, tout ça. Je les ai fait aussi 2-3 petits templates. Il y a des sons aussi également. Voilà, donc un grand choix de texture également. Donc voilà. Voilà. Les templates ils sont là. Template YouTube, donc voilà. Après rendu HD, donc ça c'est des petits trucs vachement beaux que vous pouvez mettre sur votre chaîne. Donc attendez, voilà, donc c'est en HD tout ça, donc c'est vachement beau je trouve. Ça peut servir à pas mal de choses. Donc, vous avez un grand choix d'éclats d'étincelles, de flammes également, donc il y a beaucoup de choix. Des fonds de templates, voilà. Donc comme je l'avais dit, ouais, ça a été un boulot monstre quand même pour le faire ce petit pack. Vous avez des fumées, tout ça, guerre et autres, icônes sociales, impact de verre, light and flare, je vous l'ai montré. Ça c'est des colorings corrections que je vous ai faites. Je vous ai mis également des polices d'écriture, donc des polices plutôt sympas. Je vous ai mis aussi des brushes, des enfin plein de trucs sociales, pack 3, des textures pack, donc des templates, tout ça. Des smileys également, donc des smileys sympas, ça peut être sympa, je sais pas pour mettre sur votre chaîne, ça dépend quel type de chaîne vous faites après. Template Cinema 4D, je vais peut-être vous en montrer un, ouais vite fait, voilà. Donc ils sont pas franchement énormes, mais surtout l'histoire de vous montrer, voilà. Donc après vous tapez votre nom là, voilà, donc je vais vous faire un petit rendu, l'histoire que vous voyez. Donc je suis parti sur une base métallique. Ça va être un petit peu long, enfin tout à charger, mais voilà, on a le temps en même temps. Donc après je vais vous montrer un petit peu comment associer tout ça à votre chaîne. Et ça sera plutôt sympa. Par contre je vais pas te faire un truc avec Cinema 4D et tout, sinon ça va être super long, histoire que je fasse des rendus, tout ça. Je vais faire assez soft avec des textes que je peux donner directement sur Photoshop. Voilà, donc je pense que vous connaissez un petit peu tous Cinema 4D et Photoshop. Donc, si vous les avez pas, je pense que à l'avenir je ferai des petits tutos pour les télécharger. Donc voilà, donc là je vais y rendre.
Voilà. Donc les polices d'écriture, voilà, donc j'en ai mis quelques-unes, elles sont pas mal. Donc une que j'apprécie tout particulièrement, c'est laquelle c'est celle-là, je crois. Non, c'est pas celle-là. Enfin bon, bref, vous verrez bien. Donc voilà, donc plein de petits trucs sympas. J'ai mis également un petit truc à lire d'explication. Voilà, donc c'est un pack quand même assez. Enfin, qui pourrait être compliqué pour les publics qui n'est pas averti. Donc je vous ai mis des éclats, également des éclats 3D. Là c'est les templates et les patrons. Donc je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne. Non, si on va regarder dans le PSD, peut-être qu'est-ce que j'avais fait là-dessus? Template de base. Ok, donc on va voir ça tout de suite. Je pense que j'ai fait. Donc voilà, donc ça c'était les anciens templates d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai laissé. Ça va pas vous servir à grand chose, mais c'était surtout des fonds que je vous avais fait, donc ce serait plutôt ça pour je pense un site internet ou quoi. Donc des petits templates que je vous ai fait, donc voilà, donc là vous mettez votre nom. Celui-là il est pas mal du tout. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc là vous tapez votre texte, donc à mon avis quand même c'est une image vachement belle. Donc voilà, j'ai trouvé, donc voilà. Donc en gros c'est un gros cadeau que je vous fais, donc j'espère que vous allez apprécier tout ça. Donc là je vous ai mis des sons, tout ça, dans Guerre et autres on a vu, donc après je vous laisserai découvrir un petit peu. On va savoir que dans un fichier en général il y en a plusieurs, donc il est un petit peu compliqué quand même. Donc là on va tout de suite s'atteler au patron, donc et tout. Donc on va aller prendre un template. Donc template en fin de compte c'est le patron. Un patron pour ceux qui savent pas, voilà, donc là vous avez en fait le carré où il y aura tout le texte, tout ça. Vous devez faire votre background sur les bords ici. Donc bon, on va faire un truc assez soft, hein, donc vous allez dans fichier, vous faites importer, voilà, donc après vous allez plus qu'à aller dans le pack de texture que vous avez fait. Alors c'est un petit peu bordel dans mon bureau. Donc on va aller chercher quoi, on va aller chercher, on va mettre des icônes plus grandes parce que j'aime pas quand c'est petit, donc petites icônes, je crois que c'est dans grand icône. Donc on va aller chercher, nous on va aller chercher quoi, light and flare, c'est bien light and flare, j'aime bien. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Donc il y a un choix assez big dans la Lightning, donc on va pas chercher pendant des heures. Donc je vais faire un truc un petit peu à la va-vite, hein. Vous ferez mieux que ça. Voilà, donc on va faire importer. Voilà. Donc après, écoutez ça comme ça. Donc moi je fais ça comme ça, mais après vous pouvez faire ça avec les commandes. Moi comme je vous l'ai dit, je vais faire ça à la va-vite. Ok. Donc on va faire ça. Donc vous voyez, donc toute cette partie en fin de compte ne sera pas vue sur YouTube. Donc ça fera la barre directement qui sera collée à ça. Donc voilà. Après, je sais pas, si on peut apporter. Donc ça c'est un exemple. Hop, on va supprimer. Donc là on va taper un texte. Donc on va marquer, je sais pas, donc texte. Ouais, on va le mettre en plus gros parce que franchement, puis en arrière ça c'est un petit peu de messe. Ouais, je le prends. Cette police là elle est plutôt sympa, mais elle est toute petite en fait. Donc, et d'accord, là on est à 72 quand même, donc un petit peu nul comme pack. Ouais, bon bref, quand vous choisirez votre texte qui vous plaira. Là par contre je trouve que c'est un petit peu bizarre quand il soit tout petit tout ça. Donc on va aller voir un petit peu une autre police là, je sais pas ce que je veux dire.
14 en équivalent, 72, ça donne plus ça. Ok. Donc après, vous pouvez retourner votre texte sur, donc en faisant. Ça, je vais plus en retourner côté. En faisant fichier. Son mention, vous faites rotation 90 heures, bon, anti-horaire. Voilà. Hop, donc vous aurez votre texte comme ça sur le bas. Bon, en général, c'est un texte avec Cinema 4D en fait, c'est pour ça que ça rend beaucoup plus grand. Donc vous le foutez là, donc après vous allez chercher des petits trucs que je vous ai mis dans mon pack. Donc importer, hein. Donc dans autre. Non, ça c'est bien ça. Voilà, hop. Vous foutez ça. Voilà, par exemple. Donc, voilà, donc le fond vous mettez noir bien sûr, vous n'allez pas le laisser comme ça, vous faire un noir tout moche. Après vous faites vous cliquez sur un truc au pif, voilà, vous faites emporter. Ok, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu le rendu parce que sinon ça fait moche. Hein. Hop, donc bien sûr, on remplit tout ça en noir. Bon, en gros, je vais jouer. Bah, bon, vous ferez attention, bien sûr, donc à garder le carré au milieu, parce que moi, je n'ai pas sélectionné les noirs comme il fallait. Enfin, bon, bref, c'était surtout une petite promo pour mon petit pack. Voilà, et donc, vous verrez ça. Donc, on va aller voir un petit peu aussi ce que j'ai fait. Donc, il y a des taches de sang. Donc, il y a des autres aussi. Je vais montrer des trucs quand même. Le match, emblème, testé, je sais pas là. Je sais pas où j'ai foutu en fin de compte. Non, un, non, c'est pas dans un. Mais c'est chiant, je sais pas. Je vais mettre ouais, bon, en gros, il y a. Voilà, un truc. My Color Correction, c'est des petites coloring que j'ai refait. En PSD, j'ai fait mes textes, ça on l'a déjà fait ça. Photoshop, voilà, donc il y a Blush Pack, tout ça. Je vous montre un petit peu. Donc, voilà, donc là il y a plein de broches. Les broches, pour ceux qui connaissent, c'est des espèces de petits effets que vous pouvez mettre sur Photoshop. Donc, là j'ai mis des craquelures. Là c'est des trucs 3D, donc des Apple par exemple, tout ça. Voilà, donc il y a pas mal de trucs, hein, pas mal de trucs. Voilà, donc. Après il y a plein de textures pack ici que j'ai mis, donc voilà, donc là c'est des organiques, mix, tout ça, voilà, donc vous avez de quoi faire quand même. Donc après ça dépend du style de votre chaîne. Il y a aussi ceux qui aiment bien faire leur fond de background en bois. C'est pas trop mon style, mais bon, chacun son trip quoi, on va dire. Donc je pense quand même qu'il y a quand même une large. Vous avez beaucoup de choix quoi. Par contre vous aurez besoin de Photoshop pour certains trucs. Voilà. Puis quand même pas mal de fleurs, tout ça. Celui-là aussi je l'aime bien, je le trouve plutôt pas mal. Là. Voilà. Par contre j'ai mis ça, des trucs plutôt sympas. Bon, bah sur ce, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez faire de beaux backgrounds. Et sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.